Salut mes chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne en ligne, Groupe Tamouzi Business. Et voilà, pour ne pas rater d'autres informations en ligne. La Fédération Congolaise de Football, l'association FIKUFA, confirme les arrivées de plusieurs joueurs, notamment le retour de Dieumerci Mbokani et Mecha Kelea. Les deux joueurs ont boycotté leur dernière convocation, mais cette fois-ci, cela semble la bonne. Hormis les deux, nous notons également les intégrations de trois autres. Il s'agit de Samuel Bastien, Standard de Liège, Belgique, Chalmounginda Pikel, Famalicão, Portugal, et Lionel Passinzao, Roi de France, ensemble avec Yohan Wissa, Omenoke Fulu et Peli Rodok Panzu. Ils viendront pour obtenir officiellement leur passeport officiel congolais. Cependant, le sélectionneur argentin Hector Coupé est entendu ce jeudi 26 août pour ses premiers matchs officiels, accompagné de son assistant José Carlos Fataguzzi. Le staff médical conduit par le docteur Vervi Jean-Émile et annoncé pour le samedi 28 août 2021. L'assistant Douala, Lupembe Mohamed, et le préparateur du gardien Kidiaba Mouteba Robert arriveront le lundi 30 août 2021, le jour du regroupement de l'équipe à Kinshasa, avant le déplacement pour Lubumbashi. Les autres membres de son staff Mahmoud Fayet, l'assistant vidéo Sarioglu Antonios, le préparateur physique, et Dembélé Moussa, interprète, rejoindront la capitale congolaise le vendredi 27 août 2021. Deux rencontres importantes attendent le Léopard de la RDC dans le cadre de l'éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. La première contre Taifas Stars de la Tanzanie au stade de Tupi Mazembe à Lubumbashi. Puis la deuxième face aux Écureuils du Bénin le 7 septembre à Cotonou. Source 24 sur 24.cd. Et voilà. Aujourd'hui, on parle de deux joueurs qui ont accepté l'invitation le par Dieumerci Mbokani et Elia Meschack. Donc, le premier match contre Taifas Stars de Tanzanie au stade du TP Mazembe à Lubumbashi. La deuxième match contre les Écureuils du Bénin le 7 septembre à Cotonou. Bonne chance, Léopard. Merci.